Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ah, je peux dire, monsieur Rouletabille, que vous menez superbement le jeu. Mais puis-je ajouter un conseil? Je vous en prie, maître. Je connais le bâtonnier Rocou, c'est un excellent homme, mais il va finir par se fâcher. Vous en êtes à votre troisième suspension d'audience. Il y a de quoi lasser les plus patients. Ne me dites pas que le prince du barreau de Paris n'a pas deviné mes intentions. Si, bien sûr, faire traîner les choses en longueur. Voilà, gagner du temps. Gagner du temps à n'importe quel prix. Je vais vous dire, j'ai engagé un duel très dangereux avec l'assassin et nous évoluons, lui et moi, avec des marges de sécurité infinitésimales. Et je ne peux pas faire autrement. Maître, l'audience va reprendre. Oui. Il nous faut regagner nos places. Beau travail, monsieur Rouletabille. Vous avez un talent d'orateur que bien de nos confrères vous envieraient. Maître S, méfiez-vous. Je ne suis pas modeste et vous me flattez. Croyez bien que j'apprécie. Entrons, je vous en prie. Messieurs, la cour. L'audience est reprise. Monsieur Rouletabille. À vos ordres, monsieur le président. Voulez-vous revenir à la barre des témoins? Voilà, monsieur le président. J'ai relevé que vous deveniez un expert pour susciter les suspensions d'audience. J'espère cette fois que vous êtes en mesure de dire à la cour comment l'assassin a disparu. Mais certainement, monsieur le président. D'ailleurs, pour vous mettre sur la bonne voie, je dirais qu'il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement de ce bout de cour dans lequel il était entré. Enfin, je veux dire, il était impossible sans que nous le voyions. Soyez plus explicite, monsieur Rouletabille. Monsieur l'avocat général, compte tenu de l'exiguïté du bout de cour, même si nous ne l'avions pas vu à cause de l'obscurité, nous l'aurions forcément touché. Imaginez un carré entouré de fossés de hautes grilles. C'est très simple. Ou l'assassin nous aurait marché dessus, ou c'est nous qui aurions marché sur lui. On est encore en train de gagner du temps. C'est un fait unique en cour d'assises, un vrai régal. Monsieur Rouletabille, je vous demanderai de bien vouloir mettre un terme à cette partie de cache-cache dans la nuit. Alors, simple précision, monsieur le président. Je voulais que messieurs les jurés sachent que le bout de cour était quasi matériellement fermé par les fossés, les grilles et par nous-mêmes. À peu de choses près, la même situation que pour la chambre jaune. Bon, merci de ces précisions. Et maintenant, au fait, monsieur Rouletabille, au fait. L'assassin est entré dans le bout de cour. Il est cerné. Il ne peut pas s'en aller. Vous arrivez. Et il a le temps de tuer quelqu'un et de se volatiliser. Et voilà presque une heure que la cour, l'avocat général et messieurs les jurés sont suspendus à vos lèvres. Avouez que c'est insensé. Dites-nous une bonne fois pourquoi vous ne l'avez pas trouvé. Le temps passe. À qui le dites-vous, monsieur le président? Mais à vous, monsieur Rouletabille. Oui, non, je voulais dire, enfin... Oui, vous avez raison, vous venez d'évoquer avec une légitime impatience le temps qui passe. Et moi, prisonnier de ce temps, je viens de consulter ma montre. Or, et j'en suis le premier désolé, je vous dirai pourquoi nous n'avons pas vu l'assassin. Ou plutôt, pourquoi nous n'avons pas cru voir l'assassin. Seulement, je ne pourrais vous le dire que
dans 3 heures et 30 minutes. Vous confondez le prétoire et la scène du vaudeville. Mais non, monsieur le président, je sais que je n'ai pas le beau rôle, je sais que j'abuse de votre patience, que j'indispose le jury, monsieur l'avocat général, mais je vous supplie de croire en ma bonne foi. Il m'est absolument impossible de vous dévoiler quoi que ce soit de plus avant 6h30. Oh, monsieur le président, Parfait. Parfait. Je note que monsieur Rouletabille a pris la décision de mener les débats à ma place. Oh non, mais non, monsieur le président, non, pas ça, je n'oserais jamais. Oh, je n'ai pas encore remarqué que cela vous gênait. Donc, puisque vous menez les débats, il sera fait selon votre bon plaisir. Vous avez dit 6h30, ce sera 6h30. Oh. Et comment? La séance est suspendue. Joseph, ah, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Oui, c'est sûrement inutile de vous demander ce que vous êtes allé faire aux États-Unis. Hein. Ça fait partie de votre panoplie de farces attrapées. Vous allez me dire comme au président Rocou, attendez 6h30. Mais non, mon cher Sinclair, voilà une idée. À vous, je peux dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique. D'abord parce que vous êtes un ami. Oh, Seigneur, j'entends des anges. Ben, je vous écoute, mon petit Joseph. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Eh ben voilà. Eh ben voilà, vous m'auriez rien dit, j'aurais pas eu l'air plus bête. Sinclair, mon bon ami, quand nous avons quitté le château du Glandier, vous vous souvenez, pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin. Les deux moitiés? Oui, et seulement le nom d'une seule moitié. Ah. C'est pourquoi je vous dis, j'ai été obligé de faire ce voyage pour découvrir le nom de la deuxième moitié. Eh ben, expliquez comme ça, mon cher Joseph. C'est limpide. Voici monsieur Larsan. Oh, Rouletabille, j'apprécie. Oh, ce que vous faites est remarquable. Mais j'en suis sûr. Avez-vous quelques minutes? Mais bien sûr, Donnez-moi le bras. Mais bon, j'ai l'intention de bavarder un moment avec vous. Ah, voilà 6h30. C'est l'heure de la vérité. Disons la vérité de Rouletabille. Mon cher, je suis à peu près certain qu'il s'agit de la même. Vous avez vu la tête de notre client? Il a le visage d'une très grande pâleur. Ses mains tremblent. C'est vrai qu'il joue sa tête. Et que son sort dépend d'une maladresse de Rouletabille. Oh, à cet égard, je ne serais pas inquiet. Et je ne sais si vous ressentez la même chose que moi, maître, mais Darzac, bien que parfaitement innocent, a l'air de redouter que la vérité n'éclate. Il a peur de la vérité. Ça s'est déjà vu. Je vous t'habille là-bas. Heureux de vous revoir, monsieur Rouletabille. Moi aussi, monsieur le président. Je suis à l'heure, monsieur le président. N'ayant pas été cité régulièrement comme témoin, je ne vous ai pas fait prêter serment. Vos déclarations sont trop importantes pour que nous échappions à ce point du règlement. Vos noms, prénoms et qualités. Rouletabille Joseph, journaliste à l'époque, 31 rue du Petit Pont. Vous jurez de parler sans haine et sans contrainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je pense qu'il n'est pas besoin de vous rappeler l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. Toute l'importance de ces paroles, pour vous, sinon pour d'autres. Certainement, monsieur le président. Voyons.
Nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui a servi de refuge à l'assassin, et nous nous promettions, vous nous promettiez de nous dire, après bien des tergiversations, comment l'assassin s'est enfui de cette cour et naturellement son nom. Monsieur Rouletabille, il est très exactement 18h35. Vous avez 5 minutes de retard et nous ne savons toujours rien. Mais je suis prêt, monsieur le président. Je vous ai expliqué que nous étions tous dans ce bout de cour et qu'il était impossible de s'en échapper. Eh bien, c'est la vérité. Quand nous sommes arrivés dans le bout de cour, l'assassin y était avec nous. Seulement, vous ne l'avez pas vu, monsieur Rouletabille. Et c'est la thèse que défend l'accusation. Non, pardon, monsieur l'avocat général. Je n'ai jamais dit que nous ne l'avions pas vu. Nous l'avons au contraire vu, comme je vous vois. Et vous ne l'avez pas arrêté? Ben, je dois dire que ça ne serait venu à l'idée de personne. Personne sauf de moi, car je savais qui était l'assassin. Seulement, je n'ai pas bougé. Et vous osez le dire en plein tribunal? Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Vous voulez dire que... Je veux dire qu'à ce moment précis, je n'avais d'autre preuve de sa culpabilité que le bon bout de ma raison. Oui, j'étais le seul à savoir que je regardais l'assassin. Tous les autres voyaient un homme, comme vous et moi, sans se douter qu'il était l'assassin. Pour l'accuser, il me fallait une preuve irréfutable. Une preuve qui contentera tout le monde, d'ailleurs. Cette preuve, j'ai prié la cour de bien vouloir l'attendre jusqu'à 6h30. Bon, l'heure est largement passée. Parlez, monsieur, dites-nous enfin quel est le nom de l'assassin. Vous allez dire encore une fois que je laisse traîner ma déposition, monsieur le président, mais j'ai de bonnes raisons pour cela. Silence. Monsieur Rouletabille, je vous préviens gentiment. Encore une plaisanterie de ce genre, et vous finissez la nuit au dépôt pour outrage à un magistrat. Compris ? Oui, bien, monsieur le président. Vous avez dit que l'assassin se trouvait avec vous dans le bout de cour. C'était le garde ? Il était mort, monsieur le président. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, je pense que l'on peut écarter madame Mathieu, puisqu'elle est partie avant. Oui, tout à fait d'accord, monsieur. Je consulte mes notes, je vois le père Jacques, est-ce lui? Non, monsieur le président. Alors, Bernier, le concierge? Non, c'est pas lui. Maître Sinclair? Oh, sûrement pas. Bah, il reste Sir Arthur Rance, je ne le vois pas bien. Non, en effet. Pourtant, il ne reste plus que vous et Sir Arthur. Si ce n'est pas Sir Arthur, c'est vous. Ni l'un ni l'autre. Tonnerre de tonnerre, vous feriez sortir de ses gonds le magistrat le plus patient. J'ai énoncé les noms de tous ceux qui étaient dans le bout de cour et personne n'est l'assassin. Mais il n'y avait plus personne à ce moment-là. C'est ce que nous avons toujours dit, monsieur le président. Erreur, monsieur l'avocat général. Il y avait encore quelqu'un. Il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous. Mais il y avait quelqu'un au-dessus, penché à sa fenêtre. Frédéric Larsan? Vous l'avez nommé, monsieur le président. Frédéric Larsan! Ah, mon cher, est-ce que nous sommes en plein délire? Je me demande même si le jeune Rouletabille sait encore ce qu'il dit. En tout cas, son numéro et sa démonstration tiennent du chef-d'œuvre. Qui, parmi vous, avocat, pourrait faire mieux? Mais je n'en sais rien, je veux même pas me poser la question. Maître. Je vous écoute, monsieur Darzac. C'est impossible, absolument impossible. Rouletabille est devenu fou. Non, calmez-vous, monsieur Darzac, ne craignez rien. D'ailleurs, le procès n'est pas encore commencé. Monsieur Rouletabille, tout au long de cette audience, vous avez dépassé les bornes un nombre de fois incalculable.
Mais alors, l'apothéose, le final des finales, c'est l'accusation que vous proférez à l'égard de monsieur Frédéric Larsan. D'ailleurs, accuser un officier de police et l'un des plus brillants est une chose extrêmement grave. Et comme je ne suis pas encore tout à fait sourd, j'ai même entendu la réaction de monsieur Darzac, l'accusé lui-même, vous traite de fou. Allons, monsieur, si vous n'êtes pas fou allié, après avoir prononcé de telles énormités, vous vous devez de fournir des preuves immédiates. Irréfutable. Si je vous ai compris, monsieur le président, vous voulez des preuves. Mais, vous savez, point n'est besoin de se mettre dans des états pareils. Je vais vous en donner une. Une preuve monumentale. Voulez-vous avoir la bonté de bien vouloir faire appeler à la barre Frédéric Larsan? Ah, volontiers. La confrontation ne manquera pas de piquant. Greffier, rappelez monsieur Larsan. Monsieur Frédéric Larsan. Monsieur Frédéric Larsan! Eh bien, allez voir dans la pièce réservée aux témoins, il ne peut pas être bien loin. Monsieur Larsan! Monsieur Frédéric Larsan! Alors? Alors, il n'est plus là, monsieur le président. Les témoins l'ont vu quitter le palais de justice après la suspension de l'audience de 4 heures. Depuis, il n'a pas reparu. Vous vouliez une preuve, monsieur le président? La voilà. Je serais curieux de savoir en quoi l'absence de Frédéric Larsan constitue une preuve monumentale. Je répète, c'est irréfutable, monsieur le président. Il s'agit ni plus ni moins de la fuite de Frédéric Larsan. Je peux jurer qu'il ne reviendra pas. Vous ne le reverrez plus jamais. Et cette fuite ne représente-t-elle pas un aveu, messieurs? Absolument. Silence! Silence! Silence dans la salle! Monsieur Rouletabille, votre attitude est déplacée et offense gravement la justice. Si, comme vous le prétendez, monsieur Frédéric Larsan est l'assassin, pourquoi n'avez-vous pas profité de ce qu'il était dans cette enceinte, à cette barre, pour l'accuser en face? Au moins, il aurait pu vous répondre. Allons, bien sûr. Seulement, quelle réponse plus nette, plus convaincante, plus explicite que celle-ci? Le silence. Monsieur Larsan ne répondra plus jamais. J'accuse Larsan d'être un assassin et il se sauve. Et vous trouvez que ce n'est pas une réponse, hein? Non, monsieur Rouletabille, ce serait trop facile. Nous ne croyons pas, nous ne voulons pas croire que Frédéric Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé? Pourquoi? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser. Il le savait très bien. Il était parfaitement au courant, monsieur le président. Qui le lui avait dit? Moi, bien sûr. Oh. Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, là on croit rêver. Monsieur Rouletabille, votre désir de prouver, et je le crains, votre besoin d'étonner sans cesse votre auditoire, vous conduisent à des effets qui n'ont cours que sur les scènes de nos théâtres. On ne joue pas ici l'auberge des Andrés, et vous n'êtes pas Frédéric Lemaître. Je vous demande de prendre conscience d'une chose, monsieur. Ou bien, vous inventez des histoires insensées, et nous avons la faiblesse de les écouter, ou bien vous dites la vérité, Frédéric Larsan est l'assassin, et dans ce cas, vous êtes coupable de l'avoir prévenu, assurant ainsi sa fuite. Oui, monsieur le président, je le reconnais, j'ai fait cela. Mais je ne suis pas la justice, moi. Je ne suis pas non plus la police. Je ne suis qu'un simple journaliste. Et il m'arrive de balayer devant ma porte, que les autres en fassent autant. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont des propos injurieux envers toute la magistrature. Je demande qu'ils soient portés au procès-verbal de séance. Monsieur le Président, monsieur l'avocat général,
Je vous prie d'accepter mes excuses. Voilà. Mais mon métier n'est pas de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je l'entends, c'est mon affaire. Préserver en gens de robe la société comme vous le pouvez, là est votre affaire. Ce n'est pas le rôle de Rouletabille d'apporter une tête au bourreau. Si vous êtes juste, monsieur le président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. J'avais calculé le temps nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de sauter dans le train de Paris. Voilà. Le train de Paris ? Oui, monsieur le président, le train de 4h17. À 4h, suspension d'audience. Il lui reste 17 minutes pour filer à la gare. Non, monsieur Darzac, on ne retrouvera pas Frédéric Larsan. Et pourquoi ? Comptez une heure pour arriver à Paris, ça lui laisse une heure et quart pour faire disparaître toutes les traces de son passage. C'est pourquoi je n'ai rien dit avant 6h30. Mais ne soyez pas inquiets, on ne retrouvera jamais Larsan. Il est beaucoup trop malin. Vous-même, vous l'avez poursuivi, monsieur Darzac. Il vous a toujours échappé. Je ne disposais pas des moyens de la police. Mais il a également toujours échappé à la police. À ma connaissance, je suis le seul jusqu'à maintenant à avoir eu le dessus. Disons qu'il est un peu moins fort que moi, mais tellement plus fort que les autres. Monsieur Darzac, cet homme prodigieusement habile s'est introduit il y a 4 ans à la Sûreté. Il y est devenu l'un des plus sûrs éléments de la police. Mais auparavant, cet homme était autrement célèbre, sous un autre nom, que vous connaissez hélas trop bien. Monsieur le Président, Frédéric Larsan s'appelle en réalité... Eh bien, je vous écoute. Il s'appelle Ballmeyer. Ballmeyer ? Mon Dieu, Ballmeyer. C'était donc Ballmeyer. Vous ne croyez plus que je sois fou, monsieur Darzac. L'audience est suspendue et ne reprendra dans 24 heures. Qu'est-ce que c'est que ce Ballmeyer ? Ah, vous êtes un rien trop jeune, mon cher confrère, pour savoir ce que c'est que ce Ballmeyer. Pour tout vous dire, Ballmeyer est l'escroc des escrocs, le gentleman des gentlemen, c'est le prestidigitateur du crime. En un mot, Ballmeyer est le nec plus ultra de la racaille. Il a beau être le roi, c'est quand même le roi des filous. Un truand, un gangster... Un homme de la paix. Ah, dites, trompez-vous. Ballmeyer a été reçu dans la meilleure société, inscrit dans les cercles les plus fermés. Il a volé l'honneur des familles et l'argent des puissants, et le tout avec une maestria jusqu'ici inégalée. Bon, c'est un assez triste personnage, mais de là à tuer... Ah, en certaines circonstances m'étant difficiles pour lui, il n'a pas hésité à faire le coup de feu, à jouer du couteau et de l'os de mouton. Et vous croyez sincèrement, maître, que Larsan soit Ballmeyer ainsi que l'affirme le jeune Rouletabille ? Est-ce ? Vous penserez ce que vous voudrez. Je suis pratiquement sûr que Rouletabille vient par son intervention d'éviter une erreur judiciaire. À ce point ? Eh oui. Et le pire, voyez-vous, c'est qu'avec toute notre science criminelle, nos compétences, la juridiction, notre habitude des assises... Eh bien, nous n'aurions sans doute pas pu ou su empêcher cette erreur judiciaire. C'est pourquoi, mon cher confrère, je crois, ainsi que l'a affirmé Rouletabille, que Larsan et Ballmeyer ne sont qu'une seule et même personne. La conviction est une chose, mais le reste... Que voulez-vous dire ? Qu'il est tout simplement incroyable que ce Ballmeyer n'ait jamais été, ne fût-ce qu'une fois, appréhendé par la police. Mais trompez-vous, il a été arrêté il y a 4 ans, inculpé, et son procès allait être jugé quand ? Pendant son transfert au palais de justice, il a réussi l'évasion du siècle. Comment cela ? J'en ai honte. Pour les services de police, il a jeté du poivre dans la figure de ses gardiens et il a filé. Et ça marche toujours, des trucs comme ça ? En principe, non. Mais c'est
tellement naïf, enfantin, que les gardes n'y ont pas cru. Et psychologue, en plus. Dites-moi, maître, c'est un numéro tout ce qu'il y a de complet, votre Balmeyer. Et tenez-vous bien, mon cher S. Ce fameux jour de sa fuite, alors que les plus fins limiers de la police française étaient sur les dents et brouillaient toutes les pistes en tentant de le retrouver, savez-vous ce qu'il faisait ? Non. Il s'était fait la tête du chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et assistait au Théâtre Français à la reprise de l'illusion comique de notre bon Corneille. Et vous voudriez qu'un petit journaliste, non dénué de talent, certes, et puis à lui seul démasquer ce redoutable bandit et présenter au monde étonné sa véritable identité. L'audience est reprise. Monsieur Rouletabille, la Cour souhaiterait éclaircir quelques points soulevés par vos déclarations. Mais je suis à la disposition de la Cour, monsieur le Président. Voyons, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour. En effet, monsieur le Président. J'admets avec vous, je veux bien admettre que, puisque Frédéric Larsan se trouvait penché à la fenêtre au-dessus de vous, il se trouvait à l'évidence dans le bout de cour. Seulement voilà. Pour pouvoir se pencher à sa fenêtre, il a quand même bien fallu qu'il le quitte, ce bout de cour. Eh bien, c'est un peu plus juste, monsieur le Président. Et donc, Larsan s'est enfui. Alors, nous en revenons à la question initiale. Comment a-t-il fait ? Si vous voulez bien vous souvenir, monsieur le Président, j'ai dit que l'assassin, Frédéric Larsan, n'avait pu s'enfuir normalement. Alors ? Pardonnez ce truisme, il s'est donc enfui anormalement. Car vous le savez, j'ai dit que le bout de cour n'était que quasi fermé, alors que la chambre jaune, elle, l'était tout à fait. On pouvait par exemple grimper sur le mur, prendre appui sur les joints de scellement, chose impossible dans la chambre jaune. Se jeter ensuite sur la terrasse et de là... Pendant que nous étions penchés, ébahis sur le cadavre du garde, pénétrer de la terrasse dans la galerie par la façade qui donne juste au-dessus. Oui, c'est faisable. Oui. Ah ben, c'est très faisable, monsieur le Président. Larsan n'avait plus qu'un seul pas à faire pour être dans sa chambre. Il lui suffisait d'ouvrir sa fenêtre et de nous parler. Ainsi, le tour était joué. Et nous, en même temps. Il faut quand même une certaine souplesse. Oh, quand on sait quel acrobate peut être Balmeyer, soyez-en sûr, monsieur le Président, ce fut un jeu d'enfant. Je vous remercie, monsieur Rouletabille, mais vous n'ignorez pas qu'en justice, une supposition, même séduisante, reste une supposition. J'avais prévu votre réaction, monsieur le Président. C'est pourquoi, naturellement, j'ai la preuve de ce que j'avance. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derain. Aujourd'hui, 22e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derain, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, S. Philippe Moreau, le président Recou, Claude Pieplu, le greffier Bernard Musson. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierge. Thank you.
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ainsi, monsieur Rouletabille, vous avez aussi la preuve que Larsan a pu quitter la cour à votre nez et à votre barbe. Oh oui, monsieur l'avocat général. Eh bien, produisez-nous cette preuve, nous la verserons au dossier. Mais comme vous allez voir, c'est bien peu de choses. Tenez, la voilà. Mais c'est un morceau de bois. En menuiserie, monsieur l'avocat général, ça s'appelle une cheville. Votre érudition artisanale est éblouissante, mais poursuivez, monsieur. Donc cette cheville que je tiens à la main s'adapte parfaitement au trou, toujours visible d'ailleurs, du corbeau de droite qui soutient, comme vous le savez, la terrasse en encorbellement. Pouvez-vous nous traduire cela en langage clair, monsieur le président? Je vous en prie, c'est passionnant. Bien. Frédéric Larsan, qui prévoit tout et songe à toutes les possibilités de fuite autour de sa chambre, a enfoncé cette cheville dans le corbeau. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que c'est qu'un corbeau et je serai comblé. Le corbeau, monsieur l'avocat général, est une pièce de pierre ou de bois placée en saillie sur le parement d'un mur pour supporter une poutre ou toute autre charge. Vous trouverez d'ailleurs tous ces renseignements dans un admirable petit ouvrage édité par Pierre Larousse. Et puissiez-vous, monsieur, excuser cette interruption due à un grand ignorant. Donc, avec ce petit morceau de bois, tout s'explique. Mais oui, tout devient simple, simple comme bonjour, simple comme toujours lorsqu'il s'agit de Larsan. Il pose un pied sur la borne qui est au coin de la cour, un autre sur le morceau de cheville qui dépasse. Une main s'agrippe à la corniche de la porte du garde, et enfin l'autre main sur la terrasse. Et c'est ainsi que, grâce à un coup de rein, Frédéric Larsan disparaît dans les airs. Et ça d'autant plus facilement ce soir-là, contrairement à ce qu'il nous avait laissé croire d'ailleurs, qu'il était en parfaite forme, il n'était nullement endormi par un somnifère. Précisez-nous ce point-là, s'il vous plaît. Eh bien, ce soir-là, nous avions dîné avec lui dans sa chambre. Maître Sinclair et vous? En effet, dîner froid excellent d'ailleurs, vin parfaitement choisi, et au dessert il nous a régalé d'une comédie remarquable, celle du monsieur qui tombe de sommeil. Et savez-vous pourquoi, monsieur le président? Pour que le lendemain nous ne soyons pas étonnés que moi, Rouletabille, je sois victime d'un somnifère en dînant avec lui. À partir du moment où nous avons subi le même sort, comment des soupçons pourraient-ils tomber sur lui? Et les soupçons se sont égarés ailleurs. Car j'ai bel et bien été endormi, monsieur le président, et par Frédéric Larsan lui-même. Et maître Sinclair, a-t-il été endormi comme vous? Ah non, monsieur le président, non. Vous ne trouvez pas cela singulier, monsieur Rouletabille? Pas du tout, monsieur l'avocat général. Sinclair a fait très généreusement honneur au dîner, seulement il n'a pas bu une seule goutte de vin. Et le soporifique était dans le vin? Ah, n'en pas douter. Et pourquoi votre ami n'a-t-il pas bu pendant le dîner? Se doutait-il de quelque chose? Pas du tout, monsieur l'avocat général. Il suit un régime amincissant. Silence! Silence dans la salle! Je sais que cet intermède a un côté cocasse, mais si je n'avais pas été drogué, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de Mathilde Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé. C'est exact, monsieur le président. Rouletabille a raison. N'oublions pas, monsieur le président, que j'occupais la chambre voisine de celle de Larsan. J'étais donc particulièrement gênant ce soir-là.
car il savait, ou il devait s'en douter, que je veillerais toute la nuit. Vous le soupçonniez déjà? Oui, mais lui ne le savait pas. Je pense qu'il devait craindre que je le surprenne, alors qu'il sortait de sa chambre pour se rendre jusqu'à celle de Mathilde Stangerson. Il a donc attendu cette nuit-là que je sois endormi et que mon ami Sinclair soit occupé dans ma chambre à essayer de me réveiller. Et 10 minutes plus tard, Mademoiselle Stangerson était poignardée à 3 reprises et frôlait la mort. Vous dites que vous soupçonniez Frédéric Larsan, mais comment en étiez-vous arrivé à le soupçonner? Ah, une mécanique de l'esprit que j'appelle le bon bout de la raison, monsieur le président. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est très simple. Comme la plupart des choses, la raison a 2 bouts, le bon et le mauvais. Et il y en a un sur lequel vous pouvez vous appuyer avec solidité, c'est le bon. Or, le bon bout de ma raison m'a désigné Larsan. Il est terrible, vous savez, ce bon bout. Quoi que vous fassiez pour le plier, il refuse, il tient bon. S'il vous montre l'invraisemblable, c'est que l'invraisemblable est vrai. Tandis que, tandis que l'autre bout, le mauvais, est capable de tout. C'est le roi des fausses évidences. C'est le mauvais bout de la raison qui fait les erreurs judiciaires, monsieur le président. Laissez-moi apprécier comme il convient ce genre d'assertion et poursuivez plutôt votre démonstration, monsieur Rouletabille. Parfaitement, monsieur le président. Donc, c'est au lendemain de ce qu'on a appelé l'attentat de la galerie mystérieuse, qu'en revenant sur les lieux, tout s'est éclairé. Eh oui. L'assassin n'avait pas pu cette fois quitter normalement ou anormalement la galerie. En suivant donc le bon bout de ma raison... Encore? Ben oui, excusez-moi, monsieur le président. Et disons que j'ai tracé dans ma tête un cercle. Et cela a débouché sur quoi? C'est très simple. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans. C'est vertigineux de logique. Monsieur l'avocat général manie l'ironie avec brio, mais je le prie de suivre la suite de mon raisonnement. Donc, il me fallait compter ceux qui restaient dans le cercle. Ils étaient 4, le père Jacques, le professeur Stangerson, Frédéric Larsan et moi. 4 plus l'assassin égale 5. Or, matériellement, dans le cercle, nous n'étions que 4. Évidence, l'un des personnages était double, le personnage que nous connaissions et, en même temps, l'assassin. Le seul ennui de cette brillante démonstration, c'est que ce raisonnement s'applique, et j'en suis désolé à l'avance, au père Jacques, au professeur et à vous. Non, monsieur le président, le professeur et le père Jacques ont été vus dans la galerie devant moi et en même temps que l'assassin. En revanche, lorsque j'ai tourné le coin de la galerie tournante, j'ai vu Frédéric Larsan, mais je n'ai plus vu l'assassin. Donc le seul qui ne s'est pas montré en même temps que l'assassin, et pour cause, c'est Frédéric Larsan. C'est à peine croyable. Oui, monsieur l'avocat général. Monsieur le président, entre le moment où Joseph Rouletabille a cessé d'apercevoir l'assassin qui venait de disparaître dans la galerie tournante, et l'instant où il a vu Frédéric Larsan, il s'est passé exactement... Oh, 3 secondes, monsieur l'avocat général. 3 secondes? Ah oui, pas une de plus. Et il a donc tourné la galerie, enlevé prestement sa barbe, il s'est retourné et heurté à moi comme s'il poursuivait l'assassin. Voilà pourquoi tantôt il apparaît avec une barbe rousse à mademoiselle Stangerson, tantôt avec un collier de barbe châtain, qu'il fait ressembler d'ailleurs à monsieur Darzac, auprès d'un employé des postes. Ainsi, il se protégeait auprès de Mathilde et en même temps compromettait l'homme dont il avait juré la perte. Voilà ce que me disait, en tout cas, le bon bout de la raison, monsieur le président. Il rapprochait insensiblement les 2 moitiés de personnages que je n'avais jamais vus en même temps, Frédéric Larsan et l'inconnu que je poursuivais. Et les 2 morceaux assemblés de ce puzzle tragique vous donnaient ce que tout le monde cherchait, l'assassin. Voilà. La Cour reconnaît que les explications fournies par M. Joseph Rouletabille sont satisfaisantes, et je suis certain que messieurs les jurés sont de mon avis. Mais je parviens mal à comprendre comment vous avez pu admettre que Frédéric Larsan, un de nos policiers les plus célèbres,
puisse être l'assassin. Eh bien, si vous le permettez, monsieur le président, faisons la démarche inverse. Cette nuit-là, quelles étaient les raisons qui, tout d'abord, m'avaient éloigné de la culpabilité de Frédéric Larsan ? Première raison, j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mathilde. Et, me précipitant vers la chambre de Frédéric Larsan, par l'extérieur, je l'y avais trouvé, les yeux bouffis de sommeil. Ah ! Deuxième raison, l'échelle. Nous y reviendrons. Troisième raison, j'avais placé Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de Mathilde pour essayer de prendre l'assassin. Or, je suis retourné dans cette chambre et j'y ai revu l'inconnu. Pour que Larsan soit coupable, il me fallait faire mentir ces trois signes extérieurs. Bon, le premier, pas de problème, le temps de descendre de l'échelle, Larsan quittait la chambre de Mademoiselle Stangerson, regagnait la sienne, où je le trouvais, comme je vous ai dit, les yeux bouffis de sommeil. Alors, mais alors, pourquoi l'échelle? Si Larsan était l'assassin, il n'en avait absolument pas besoin, puisqu'il communiquait par la galerie intérieure avec l'appartement de sa victime. Là encore, je n'eus pas de problème. Robert Darzac était absent du château, ne l'oublions pas. Larsan avait donc tout intérêt à faire croire à un crime venu de l'extérieur. Et normalement, il place l'échelle contre le mur et le tour est joué. En outre, cette échelle pouvait également protéger sa fuite en cas de danger pressant. Elle était utile, cette échelle, même à Larsan. Reste le troisième signe extérieur, et alors là, je dois vous dire que celui-là m'a laissé sans voix pendant un moment. On comprend cela. Sachant que vous alliez surgir dans la chambre de Mademoiselle Stangerson, pourquoi se serait-il jeté tête baissée dans les ennuis? Là, je peux également vous le dire. C'est bien normal. Quand on expose un dossier de cette importance, il vaut mieux qu'il soit complet. En retournant dans la chambre de sa victime, Larsan risquait de se faire prendre, c'est vrai, et rien ne l'obligeait à y revenir. Bon, je serais remonté à l'échelle, j'aurais constaté par la fenêtre la disparition de l'assassin, et une fois encore, nous nous serions perdus en conjecture. Or, Larsan est revenu. Pourquoi? Pourquoi courir un danger aussi grave alors que, en apparence, rien ne l'y obligeait? Eh bien, en fait, il avait oublié quelque chose de très important. Et quoi? A-t-il retrouvé cette chose? J'ai demandé à Madame Bernier, qui faisait la chambre tous les jours, de chercher, et elle a trouvé. Quoi donc? Une paire de fines lunettes. Ces lunettes, monsieur le président, les voici. Alors, dans un premier temps, ces lunettes fichaient toute ma théorie par terre. Pourquoi? Parce que jamais je n'avais vu Larsan porter des lunettes. Que signifiaient ces lunettes? J'arrivais pas à les faire entrer dans mon cercle. Et naturellement, la réponse était d'un infantilisme ahurissant. Évidemment que les lunettes lui appartenaient seulement. C'étaient des lunettes de presbyte. Personne d'entre nous n'avait jamais vu Larsan lire ou écrire. Il pouvait donc être presbyte. Et ça, la Sûreté Générale, on le savait. On connaissait sûrement Larsan et ses lunettes. Donc, les lunettes dans la chambre de Mathilde devenaient une terrible charge contre lui. Voilà pourquoi il a pris le risque de revenir. Le troisième signe extérieur qui semblait l'innocenter pouvait tout aussi bien se retourner contre lui. Et je serais reconnaissant, monsieur le président, de m'autoriser à boire un petit verre d'eau. Bien sûr, c'est ici, la carafe, un verre. Oui. Bien, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Ah oui. J'aimerais que vous nous disiez, monsieur Rouletabille, ce que Frédéric Larsan venait faire dans la chambre de Mademoiselle Stangerson au moment où il y perdait ses lunettes. Et pourquoi a-t-il tenté deux fois de l'assassiner? Ah. Eh bien, parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Ah, c'est une raison qui m'avait échappé. Ah, c'est une raison péremptoire, monsieur le président. Ah, voyons cela. Mais il était amoureux fou. Et ça justifie bien des choses. Ça rend également capable de tous les crimes. Mademoiselle Stangerson le savait? Oui, monsieur le président.
Mais elle ignorait que l'inconnu qui la poursuivait était Frédéric Larsan, sans quoi le policier n'aurait jamais pu venir s'installer au château et n'aurait pas pu, la nuit de la galerie, pénétrer avec nous auprès de Mademoiselle Stangerson, évidemment. Non. Non, elle a eu à subir les poursuites et les pressantes assiduités de Larsan sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions, mais qu'elle pouvait, elle, connaître déjà. S'il vous plaît, monsieur Rouletabille, je voudrais poser une question à monsieur Darzac. Monsieur Darzac. Oui, monsieur le président. Avez-vous à ce propos reçu les confidences de votre fiancée, mademoiselle Stangerson? Comment se fait-il qu'elle n'ait parlé de cela à personne? Cela aurait pu mettre la police et la justice sur les traces de l'assassin. Et du même coup, si vous êtes innocent, vous épargnez le grave désagrément d'être inculpé. Mademoiselle Stangerson ne m'a parlé de rien, monsieur le président. Vous souscrivez cependant à tout ce que vient de déclarer monsieur Rouletabille? Croyez-vous que mademoiselle Stangerson... Mademoiselle Stangerson ne m'a jamais rien dit, monsieur le président. Vous ne facilitez vraiment pas notre table. Poursuivez, monsieur Rouletabille. Dites-nous, par exemple, pourquoi, lors de la nuit de l'assassinat du garde, l'assassin a rapporté les papiers volés au professeur Stangerson. Comment expliquez-vous qu'il ait pu s'introduire dans la chambre fermée de la fille du professeur? Pour cela, Ballmeyer n'a jamais été avare de fausses clés. C'est le prince du passe-partout. Le vol des documents, c'est une autre affaire. Vous êtes décidément au courant de tout, monsieur Rouletabille. Ben, ça devrait vous faire plaisir, monsieur l'avocat général. Le vol des documents, c'était, comment dirais-je, c'était en plus. L'objectif de Ballmeyer, qui était amoureux de Mathilde, n'oublions pas, était, vous le pensez bien, d'empêcher son mariage avec Robert Darzac à n'importe quel prix, quitte à perdre ce dernier de réputation. Espionnant sans cesse la fille du professeur, il lui dérobe un jour son réticule dans les grands magasins du Louvre. Il trouve la clé à tête de cuir, il va au bureau de poste 40 sous le déguisement de Robert Darzac. Et là, et alors là, j'ouvre une parenthèse, Larsan Ballmeyer ne songe pas encore à l'assassinat. Néanmoins, il prend des précautions. Le stratagème, la ruse, vous savez, font partie de sa vie quotidienne. Il va faire, écoutez-moi bien, réaliser des empreintes du pied de Robert Darzac et se faire exécuter sur mesure, d'après ce dessin, des chaussures qu'il portera quand il voudra se faire passer pour l'homme qu'il hait le plus au monde. Mais encore une fois, monsieur, pourquoi le vol? Pour rien. Pour rien. Gratuitement. Larsan a eu le temps de fureter dans le pavillon, de voir quel meuble ouvrait cette fabuleuse petite clé à tête de cuivre, de découvrir les documents. Peut-être a-t-il l'idée de brouiller davantage les pistes en faisant croire à un crime crapuleux, par exemple. Deuxième hypothèse, il croit que la possession de ces documents facilitera ses desseins amoureux, et cela à la faveur d'un adroit chantage. Voir. En tout cas, son coup fait, il comprend que ces documents l'encombrent et risquent de le compromettre, il les rapporte. Alors, au point où nous sommes arrivés, je présume, monsieur le président, que vous souhaitez connaître l'explication du mystère de la chambre jaune. Il semble, monsieur Rouletabille, si je m'en tiens à votre hypothèse, que ce mystère est déjà tout expliqué. C'est Frédéric Larsan qui a raconté comment l'assassin était sorti de la chambre jaune. C'est vrai, monsieur le président. Or, s'il est réellement coupable... Ah, comment vous en doutez toujours? Je vous en prie. Il lui a fallu une belle audace pour dévoiler que le criminel était sorti de la pièce quand le professeur Stangerson était seul derrière la porte et que ce dernier l'avait laissé sortir à la prière de sa fille. Il s'était contenté, pour mieux accabler M. Darzac, de raconter la vérité, cependant simplement à substituer Darzac à lui-même. À côté de ce tissu d'ânerie, M. le Président ne résiste pas à l'analyse. Mademoiselle Stangerson, étant assommée, ne pouvait faire aucune prière, fût-ce à son père, pas plus qu'elle ne pouvait refermer sur elle ni la serrure, ni le verrou. Souvenez-vous également que le professeur Stangerson a juré sur la tête de sa fille, à l'agonie, que la porte ne s'était pas ouverte. C'est pourtant la seule façon d'expliquer les choses. La chambre jaune était un coffre-fort,
Pour me servir de vos expressions, il était impossible à l'assassin de s'échapper normalement et anormalement. Quand on pénètre dans la chambre, on ne le trouve pas. Et pourtant, il faut bien qu'il s'échappe. Oui, alors ça, c'est tout à fait inutile, monsieur le président. Allons bon, voilà autre chose. Et pourquoi était-ce inutile, d'après vous? Mais parce que l'assassin n'avait pas besoin de s'échapper. Ah, bah, ça, alors, et pourquoi? Mais parce qu'il n'y était pas. L'assassin n'était pas dans la chambre jaune. Mais non, monsieur le président, il n'y était pas. C'est vous-même qui avez dit qu'il ne pouvait pas y être, et vous aviez raison. Et s'il ne pouvait pas y être, il n'y était pas. Je vous l'ai dit, monsieur le président, il faut toujours suivre le bon bout de la raison. Et que faites-vous des traces, monsieur Rouletabille? Toujours les marques sensibles, monsieur l'avocat général. Les marques sensibles avec lesquelles on envoie un innocent chez monsieur Deblaire. On leur fait dire n'importe quoi. Ça m'envoie là, j'ai un tout petit cercle de vérité incontestable. L'assassin n'était pas dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-on cru qu'il y était? Je vous le demande. À cause des marques de son passage, monsieur l'avocat général. Ah! Ça m'envoie là, il est peut-être passé là avant. Avant que mademoiselle Stangerson s'enferme dans sa chambre devant deux témoins, le père Jacques et le professeur Stangerson. Il vous sera difficile de prouver, monsieur, que Mathilde Stangerson se soit suicidée sans l'aide de personne. C'est pour ça que nous allons reconstituer l'affaire en deux phases, bien distinctes, séparées simplement l'une de l'autre par quelques heures. Expliquez-vous. Deux phases. La première pendant laquelle, c'est vrai, on a réellement tenté d'assassiner mademoiselle Stangerson. Tentative qu'elle a volontairement dissimulé. Silence! Silence dans la salle! S'il vous plaît. La seconde phase, pendant laquelle, à la suite d'un cauchemar qu'elle a eu, ceux qui étaient dans le laboratoire ont cru qu'on l'assassinait. Selon vous, mademoiselle Stangerson aurait caché à ses proches l'agression dont elle aurait été victime avant de pénétrer dans la chambre jaune? Exactement, monsieur le président. Ce qui explique d'ailleurs sa coiffure en bandeau et son cou enveloppé dans une écharpe, c'était pour cacher le choc formidable qu'elle avait reçu à la temple et également les marques de strangulation. Souvenez-vous qu'elle s'était donné beaucoup de mal, c'était en toutes lettres dans le quotidien le matin. Mademoiselle Stangerson a prié le père Jacques de ne pas entrer dans la chambre jaune, de ne pas la déranger. Eh bien, à l'évidence, c'est parce que toutes les traces laissées par l'assassin étaient encore là. L'os de mouton, le béret, le mouchoir, la main sanglante. Voilà, c'est pourquoi la jeune femme s'est enfermée dans sa chambre. Vous allez sûrement penser que j'insiste, mais je vous prie de me pardonner, monsieur le président. Comment monsieur Rouletabille peut-il expliquer les cris et les coups de feu? Comme tout le reste. Comme tout le reste, simplement, nous entrons dans la seconde phase que j'appellerai celle du cauchemar. Un cauchemar? Oui, oui, monsieur le président. Mademoiselle Stangerson s'est endormie ce soir-là. Elle est hantée, et on le serait à moins, par l'horrible scène qu'elle a vécue dans l'après-midi, et elle rêve. Elle renvoie l'assassin qui se précipite sur elle. Et dans son cauchemar, elle hurle à l'assassin, au secours! Sa main tâtonne, atteint le revolver qu'elle a posé près d'elle avant de se coucher sur la table de nuit, mais elle heurte la table avec une telle force qu'elle la renverse. Le revolver roule par terre, un coup part et va se loger dans le plafond. Alors là, je vous arrête. Moi, monsieur le président? Non, excusez-moi, je voulais dire, il a toujours été question de deux coups de feu. C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait là une apparente contradiction. Je suis donc allé demander une explication à la chambre jaune. Et alors? La chambre jaune m'a répondu. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, 23e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Darzac, Michel Rull, le président Recou, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassin. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amsi, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierge.